Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur Dragon Ball Z Kakarot. Très heureux de vous retrouver avec le petit Son Gohan. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est améliorer ses compétences et faudra le faire également pour nos autres guerriers Z. Alors, j'ai beaucoup lu les commentaires et beaucoup me disent « Galax, tu oublies tout, c'est incroyable. Tu as oublié l'arbre de compétences, tu oublies également la supercharge en combat. » Oui, c'est vrai, veuillez m'excuser, je vais essayer voilà, de m'en souvenir maintenant et d'utiliser tout ça. Alors, arbre de compétences Mazenko, on va l'augmenter au niveau 2. Ensuite, niveau 3, je pense qu'on peut aussi, hein, j'ai suffisamment d'orbes bleus principalement. Ça demande également des orbes multicouleurs. Et regardez à gauche, je pense que c'est pour améliorer les stats globales du perso. Là, par exemple, plus 5% aux dégâts infligés à un adversaire étourdi, plus 5% aux dégâts d'étourdissement infligés avec la frappe lourde. Bref, donc tout ça est très intéressant. On va donc prendre un maximum de choses. Et puis au fur et à mesure, bien sûr, on améliorera tout ça pour les différents persos. Allez, également super récupération. Alors pour info, c'est vrai que je suis pas parti à la recherche d'orbes dans l'open world jusqu'à présent. J'en ai pris quelques-unes ici et là, mais en passant devant, tu vois. Sinon, on en gagne beaucoup en combat. Et je pense que c'est ce qui rapporte d'ailleurs le plus d'orbes en général. Allez, impact corporel niveau 2, très bien. Alors attention parce que certaines attaques, après quand tu les boostes, comme par exemple si on passe en super Mazenko, ça va coûter plus de ki. Donc faudra les utiliser un petit peu différemment, plus ou moins. 38 de ki, et par exemple, le normal, 24 de ki. C'est quand même autre chose. Allez, coup météore. Niveau 2. Est-ce qu'on a suffisamment d'or pour passer niveau 3? Oui, monsieur. Ah ouais, comme ça, on sera beaucoup plus puissant en combat, c'est sûr et certain. Par contre, j'ai plus assez d'orbes, voilà, pour le niveau 3. Tant pis, c'est déjà pas si mal que ça, et ça va forcément améliorer notre perso. Allez, nous sommes dans l'interlude, vous le savez, donc entre la saga Saiyan et la saga Freezer. J'ai hâte vraiment de la commencer avec vous. Et là, faut qu'on aille chercher une recette pour maman. On a envie de se faire une bonne bouffe. Bonjour madame. Et apparemment elle est excentrique. Maman. Tu connais bien ma maman, pas vrai? Oh, et qui es-tu? Konnichiwa. Oh salut, je m'appelle Son Gohan, je suis le fils de Chichi. Oh, tu es le petit garçon de Chichi? Bah je viens de te le dire. Ta mère m'a aidé de nombreuses fois, tu sais. Chaque fois que je fais attaquer, que je me fais attaquer par des loups ou je ne sais quoi, elle est là pour me sauver. Quoi? Peut-être sont-ils attirés par l'odeur des ingrédients frais que j'achète? Ça rend mes courses très palpitantes, crois-moi. Ouais, pas facile. Oh, pardonne-moi, tu avais besoin de quelque chose? Ah ouais, c'est vrai. Je crois que tu as donné une recette à ma mère l'autre jour, mais elle l'a perdue. Ça ne te dérangerait pas de nous dire à nouveau ce dont il s'agissait? Ok. Oh, la recette, bien sûr. Je dois une fière chandelle à ta mère pour ce qu'elle a fait pour moi. Tiens, je vais lui écrire une lettre que tu pourras lui transmettre. La bouffe, la bouffe. Et voilà, recette repas viande. Merci. Tiens, tu peux prendre ça aussi. Ah, c'est gentil. Plat du boucher supplément viande, rôti sur l'os et tofu brûlant. On va se le régaler. Waouh, ces ingrédients aussi? Ça me gêne de prendre tout ça. Oh, je t'en prie, sers-toi. J'en ai trop acheté de toute manière. Oh, d'accord, merci. Passe bonjour à ta mère. Et dis-lui que j'aurai certainement encore besoin qu'elle me sauve à l'avenir. Enfin, j'espère ne pas me faire attaquer tant que ça. D'accord. Cette femme est vraiment bizarre. Et mon rire aussi. Franchement, c'est un rire gêné. Allez, eh bien écoutez. Interlude, ouais, Chichi de retour à la maison de Son Goku va lui parler et demande-lui de te faire un bon plat. Eh ben, on y va, un bon petit repas. Par contre, on va speeder, hein, mon cher Son Gohan. Alors attends, par où on passe pour aller à la maison? Ouais, je vais plutôt aller par la gauche. Parce que c'est vrai qu'on a une multitude de passages hein, dans cet open world qui est assez grand. Alors pour info, je suis allé... Je casse tout. On peut tout péter, hein. Regardez, bon par contre après je pense que ce sont des montagnes qui se reconstruisent. Oui, Dragon Ball est un monde particulier. mais non, c'est cool de pouvoir tout casser, franchement j'aime bien. Et je voulais vous dire aussi, je suis passé chez le marchand, j'ai récupéré quelques objets de soins. Voilà, si jamais en combat on a du mal, si jamais il y a un combat qui a une difficulté extrême, comme par exemple le combat contre Vegeta qui était vachement difficile, j'ai trouvé. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous en avez chié d'ailleurs dans certains combats. Moi, celui contre Vegeta, j'ai eu du mal. Et j'ai dû utiliser, voilà, un objet de soin. Sinon, je pense que j'aurais pas réussi à le finir. Clairement. Allez. On a faim. Me revoilà avec la recette, maman. Je te reconnais bien là, mon fils. Je me mets au fourneau de ce pas. Alors, un plat. Non, plutôt un repas complet. Un plat de viande durerait de l'effet 10 minutes. On a récupéré les ingrédients. C'est parfait. Et ça va augmenter donc les PV, le ki et l'expérience gagnée. Très bien. Allez Chichi, au fourneau! On a faim! Terminé, tu as terminé plat de viande. Eh ben et donc si on pouvait faire un
un gros plat comme ça, on remarque qu'il est consistant, hein, aussi rapidement, ce serait excellent. Ce repas est approuvé par Obélix. Qui en hausse, PV en hausse. Expérience, hein, il me semble également, voilà, gain d'XP. Très important, hein, les repas dans le jeu. On est content. On a le ventre bien rempli. Bien tendu. C'est cool, hein. Bon, par contre, c'est vrai que l'interlude est moins intéressant, je pense, que les sagas. Hein. Tu as mangé comme 4. Tu te sens mieux maintenant, pas vrai? Ouais, c'était succulent, maman. Merci énormément. Tu sais, maintenant que tu t'en sors mieux, San Gohan, tu devrais aller voir Tortue Géniale. Je suis sûr qu'il s'est beaucoup inquiété pour toi. Entendu, j'irai lui rendre visite. Ce n'a pas été facile pour toi, alors maintenant tu peux te étendre un peu. Entendu, merci maman. Ah mais ça y est, il cause! Ça par contre, je comprends pas trop. Pourquoi des fois les dialogues, bah, je dois les lire parce que ça cause pas. Et à d'autres moments, ça parle tout le temps. C'est pas logique en fait. Pourtant, c'est les mêmes formes de dialogue. Salut Son Gohan, tu m'entends? Krillin, comment ça va? Je sais que tu aimerais te étendre après le combat, mais Vegeta peut revenir à tout moment. Je tenais simplement à te rappeler de continuer l'entraînement. D'accord. Tu t'es bien battu. Si tu t'entraînes dur, tu pourras faire face à des adversaires encore plus coriaces. Merci Krillin, je vais essayer de trouver le temps de m'entraîner. Bien, moi aussi je ferai ce que je peux. A plus tard. Tu vois là par exemple, il cause pas. C'est bizarre. Un nouveau menu a été ajouté au camp d'entraînement. Je pense que je verrai ça de mon côté, hein. Je ferai quelques entraînements entre temps. Minute, je connais cette voix. Ah tu vois, il parle à moitié. Et Kaio, par contre, il prononce sa phrase en entier. En entier. Une énergie maléfique. Mais qui est-ce donc? Alors attends, une petite bouboule. Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Un tablier en soie. Ah très bien, je pourrais l'offrir en cadeau à un cuisinier. Pourquoi pas au gros chat? J'adore les chats. Allez, on fonce! Vitesse absolue! Mon cher Son Gohan. Ok, donc l'objectif est pas trop éloigné. Ça va aller assez vite. Ouais, donc interlude. Ça n'a rien à voir avec l'histoire Dragon Ball Z pour le coup, mais bon, on est obligé, voilà, de passer par là et ensuite on pourra commencer la saga Freezer. Ensuite, il y aura évidemment la saga Cell et la saga Boo pour terminer. Citoyen ordinaire, écartez-vous. Moi, je suis un super. Allez, c'est parti. Alors attention parce qu'ils sont en rouge, ils sont énervés donc. On doit comprendre ça, non? Effectivement. Alors, il faudrait aussi que je vous montre la supercharge, ce serait une bonne chose. Ah mais attends, ils se mettent à 3 contre moi. C'est un délire ça. C'est un délire, on va essayer si possible d'avoir le rang A. Je garantis rien. Mais on va essayer. Dégâts Toto. Allez mon gars, vas-y tape-le. Ah, bouclier, ok, t'es comme ça. Oh ça, est-ce qu'il y a moyen que vous vous mettiez en file indienne? Que je puisse tous vous faire un max dégâts en même temps. Ce serait génial. Allez, lui, on le déglingue. Voilà, il n'existe plus. Hop là, le suivi qu'on active. Ah ouais, on a vachement augmenté les attaques en puissance. Ça se ressent quand même, je pense. Parce que là, niveau 18, lui niveau 15. Ah ouais, ils sont d'un niveau différent les trois. Tu sens quand même une petite différence, hein. Oh là là, ce qu'on lui met. Par contre, il m'a fait un coup de griffe, hein. J'ai pas apprécié vraiment la démarche. Ok.
Attends, faut que je recharge mon ki un petit peu. Tu permets, Alfred? Tiens, prends ça. Il a réussi à l'esquiver, bien joué mon gars. Tu dégages, merci hein. Je n'accepte pas qu'on me touche. Voilà. Bon, je pense qu'on a un rang S. Ah non, un rang A. Choqué déçu. Tant pis. C'est bien, ils se sont tous mis à l'abri. Oui. Il semblerait que des êtres maléfiques rôdent autour de la Terre. Ils ne manqueront pas de semer la terreur si tu ne t'occupes pas de leur cas très vite. Son Guan, si jamais tu te retrouves face à quelqu'un comme ça, débarrasse-t'en sur le champ. La Terre compte sur toi. À vos ordres, chef. Caillou. Ah ouais, j'ai eu un rond A, je suis super déçu. Super ennemi malfaisant. Des super ennemis malfaisants, et c'était costaud, hein, sont apparus partout dans le monde. Tu en trouveras plusieurs dans chaque zone, et une fois que tu les auras tous battus, autres adversaires encore plus puissants arriveront. Affronte-les si tu t'en sens capable. Pour voir quelle zone abrite des super ennemis malfaisants, consulte la carte du monde. D'accord. Alors, part en direction de Île de Tortue Géniale. Eh ben allons-y. Par contre, je me trompe toujours de touche, bien évidemment. Sinon, je ne serai plus Galax. Il faut bien que je respecte ma réputation de loser, hein, de mec qui comprend jamais rien. Sinon, c'est pas drôle. Zone du Palais Divin. Ouais, on débloque beaucoup de zones, là. Hein. Et donc, Île de Tortue Géniale. Allons-y. Eh, je peux vous dire que vous avez une chance de cocu, hein, parce que au montage, je vous coupe tous les temps de chargement. Et ça, c'est très très chiant, sans déconner. Il y en a partout. お、ご飯か。すっかり元気になったようじゃな。はい。あれ?他の方たちはいないんですか?ちょっと人探しに出て行ってんな。人探し?ランチさんという以前うちに居候しとった女の人がいるんじゃが、最近天津飯を追いかけて出て行っただけに、 サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。何かあったんですか?さっきテレビを見とったら西宮湖の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西宮湖に行ってもらうために クリリンたちの狩りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃ。おお、それは助かるわい。ロンチさんは、とびきりの美人での、パーマがかかったボリュームのある青い髪をしておる。それから、タンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。グフフ、思い出すだけでたまらんわい。おほん。 性格はおっとりしてマイペースな人じゃ。おっとりしてマイペースな人です。わかりました。探してみます。 Et c'est reparti. Nouvel objectif, Ville Ouest. Eh ben allez, pareil hein. Et là à chaque fois tu vois qu'on change de lieu, c'est un temps de chargement. C'est énorme ça franchement. Allez. Cherche lunch. Ah d'accord, j'ai objectif par ici. Il y a également des points d'exclamation bleus, donc c'est les missions annexes. Entre nous, les missions annexes, je les garde pour moi. Apparemment, c'est pas les plus intéressantes. Donc du coup, je préfère rester sur le chemin principal.青い髪だし、格好も聞いていたのと同じだ。あの人がランチさんかな。なんか揉めてるみたいだけど。てめえら俺を舐めてんのか。出すもん出しやがるって言ってんだよ。そんなこと言われても。何のことやら。 À boule de fric. Ah j'ai adoré. Je vais vous truffer de plomb. Ah là Dragon Ball Z, écarte-toi. Je l'ai vu au dernier moment. Quelle burne. Attention, les roquettes. Ouais bien joué.
Allez, c'est un cadeau pour toi, mon ami. Allez, à l'attaque. Nous sommes un grand garçon maintenant. Faut montrer de quel bon on chauffe. Ah, je veux toujours pas montrer la supercharge d'ailleurs. Tiens, tant qu'on y est. Esquive-moi ça, s'il te plaît. Merci, thank you. Calmos. Allez, on va le terminer. Il lui reste très peu de vie. Tant qu'on y est. Là, ce serait bien que je recharge mon ki. Ah putain, il m'envoie des projectiles. Méchant garçon. Attends. Voilà, attention les roquettes, les roquettes. Et attention, supercharge. Maintenant tout de suite. La puissance est à moi. Allez. Attaque CP. Oula, par contre, lui m'a pris par derrière. J'ai pas apprécié non plus, je t'avoue. Ah, ils sont casse-couilles un peu. C'est moi ou... Ils sont très très casse-couilles. Le suivi était compliqué avec lui, là. Oh la vache. Oh. C'est d'un compliqué. Tiens, quelques kikouas. Termine-le, s'il te plaît. Voilà, lui, c'est fait. Toi, tu vas te calmer avec tes roquettes. Ah, attends, je t'ai planqué par un bout de montagne, il me semble. Écarte-toi. J'ai peu le temps de m'écarter. Ça, c'est chiant. Ah, je suis un peu étourdi. Allez. Cadeau. Je t'explose au sol. Tu dégages. Et hop là. Attaque SP. Bon, on n'a plus qu'à le terminer. Finition, j'espère que j'ai un rang S. Encore un rang A, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais trop toucher, je pense. あ、そうでしたか。はい。の、なんだてめ。ガキのくせにめちゃくちゃ強いじゃねえか。そう。なんでお父さんのこと知って。悟空のガキだと?ならあいつらは。 俺の大事な地図を盗みやがったんだぞ。え？本当ですか？その。いい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてると、ドタマ打ち抜くぞ。すいません、出来心だったんです。じゃあ、あなたはランチさんじゃないんですか？え？ ランチは俺だ。え？でも青い髪だって。いろいろ事情があるんだよ。ほら、早く地図を出しやがれ。はい。その、これで許してもらえます？うるせえ。死にたくなきゃとっとと失せやがれ。 ふざけた奴らだったぜ。とにかく地図が戻ってきたぞ。<笑>すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃ、あいつの家がわかるんだからな。あいつ？アンニャロを修行であちこち移動してるからな。人捨てに探してたんだ。そうなんですね。 今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。よし、待ってろよ。行っちゃった。とりあえず亀仙人さんに報告しなきゃ。 Elle était pas censée être gentille, douce et tout ce que tu veux. Bon allez, part en direction de Île de Tortue Géniale. C'est reparti. On n'arrête pas de faire des allers-retours. Allez. On y retourne, on fait le rapport. À l'ancien. Ranch-san a mitsukatta ndesukedo, dokoka ni itte shimaimashita. Eh? Ranch-san nara sakki kaette kita zo. Eh? Demo... Ara? Ima yobimashita? え？あら、あなたが亀仙人さんが言っていた悟空さんの息子さんね。はじめまして。私、ランチって言います。あ、あなたがランチさんなんですか？さっき会ったのは金髪の人でしたけど。ああ、
それはもう一人の私ですね。私、くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで。髪？性格が変わるんですか？そうなんですよ。体質なんでしょうかね。体質って言葉で片付けていいのかな。あ、そうか。ご飯にはこのことを伝え忘れとったわい。すまんすまん。ところで、もう一人の私が何かご迷惑をかけたりしていませんか？いえ。でも、人を探すって言ってたから、まさかここにいるとは思わなくて驚きました。そうなんですね。私も気がついたら西の都のそばにいて、状況がわからなくて。とりあえず、ここに戻ってきたんです。そうなんですね。そうだ。もう一人の私がお世話になったみたいですし、よかったら料理を食べていきませんか？久しぶりに腕を振るおうと思ってまして。うん、せっかくや。一緒に食べていくといい。Eh mais ils veulent que je devienne obèse ou comment ça se passe? Incroyable, je pourrais plus me traîner après hein, en combat. Hein. Tu as obtenu les emblèmes d'âme suivant. Apparemment spécialiste cuisine. Effectivement. Son Guan a adoré le délicieux repas de lunch. Eh oui, elle aurait pu s'appeler Flunch. Krillin peut désormais être ajouté à ton groupe. Modifie ton groupe pendant les interludes. Pour les chapitres de l'histoire principale, ton équipe sera verrouillée. Mais tu peux modifier les membres durant les interludes. Choisis les persos qui t'accompagneront dans le menu groupe. Mais n'oublie pas que tu ne pourras pas contrôler directement les personnages de soutien. D'accord. Modifie ton groupe maintenant, choisis qui tu veux pour t'accompagner dans ton aventure. D'accord, très bien. Donc ça c'est juste pour l'open world, hein, bien d'accord là-dessus. Donc groupe, là on a que Krillin. Voilà. Niveau de puissance 2118. J'ai plus de 3000 hein, avec Son Guan. Et maintenant, il faut aller parler à Chichi, mesdames, messieurs. Donc, Chichi. On repart encore une fois. C'est où? C'est à la maison de Son Goku? Bah oui. Allons-y. Allez. Bon, j'espère qu'on va pouvoir commencer maintenant la saga Freezer. Faut pas déconner, on est là pour ça. Je rentre dans la maison. Ouais. On va parler à Chichi. Ah, Gohan-chan, mou kaette kita daka? Ouais, je suis de retour. Ah, voilà, continuez l'histoire, c'est cool. そうか。そしたらブルマさんの宇宙船ができるまでじっくり勉強しねえとな。Ah, c'est pas drôle. Hein. Alors, récompense de l'histoire XP, tablier romantique. Niveau supérieur, on passe au niveau 15 apparemment. Saiyajin tachi to no gekitou no sue, chikyu wa sukuwareta.倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。はるか昔神の家だったという宇宙船を手に入れたゴハンたちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。Dragon Ball Z, l'impitoyable Freezer. Ça spoil un tout petit peu quand même. Hi, moshi moshi. Ah, Bulma-san, konnichiwa. Ara, Gohan-kun, chōdō yokatta wa. Ano sa, jitsu wa rei no uchūsen no koto de chotto soudan ga aru n da kedo.相談ですか？僕でいいんですか？ええ、よかったら西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら。はい、わかりました。
相談ってなんだろう。とにかく西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃ。つかめ新たな希望、遥かなるナメック星へ。Ce qui est marrant, le paradoxe avec ce jeu, c'est qu'en fait, quand t'es dans l'open world, eh ben, je trouve ça super détente, je trouve qu'il y a une ambiance très cool. Et quand t'es en combat, c'est hyper épique. Tu vois, je trouve que c'est très différent et c'est presque reposant hors combat. Allez, direction ville ouest. C'est par là-bas. Allez. Allez, préparatifs interplanétaires, on va voir ce que Bulma a à dire. Et pas Bulma, hein, comme je le disais. C'est vrai que souvent je fais des erreurs de prononciation. Vous commencez à me connaître sur la chaîne, je pense. Alors. Bulma-san m'a dit. Ah, kita wa ne. Dou shitan desu, Bulma-san? Hora, kondo Namekusei ni iku janai? そのための宇宙船を改装してるんだけど、部品が不足してるのよね。はあ、ソン君も入院してて動けないし、だから部品の素材集めをお願いしたいのよ。なるほど、わかりました。任せてください、ブルマさん。オッケー。じゃあ頼みたいのは。Alors, flotrite, molluscium, thermophyte. Objet requis. Bah, pas le choix en même temps, sinon on décolle pas. Hein. Allez. Trouver les objets. En te déplaçant sur le terrain, utilise LB pour chercher du ki dans les environs et détecte si tu peux trouver certains matériaux et d'autres objets. L'emplacement des objets luira lorsqu'ils seront détectés et la couleur t'indiquera ce que tu veux trouver ici. Jaune, cerf, loup et autres animaux, arbres fruitiers. Rouge, animaux rares. Violet, caisse destructrice, rochers et autres objets. Alors. À mon avis, ce sera des objets en violet. On verra. Récupère des pièces de nacelle. Parce que vu que ce sont des objets importants, à mon avis, ce sera ça. Alors, on va vers l'objectif. On va récupérer les trois pièces. On en profite pour prendre quelques petites orbes sur la route. Tant qu'on y est, hein. C'est pas grand-chose. Mais quand même. Même si, bon, principalement, c'est les bleus qui sont intéressants pour améliorer les compétences. Ah, attends, j'ai trois points d'exclamation rouge. Ah d'accord, c'est trois zones différentes. Je vois le délire. Apparemment, il y a de la pêche ici. Alors, où est-ce qu'on a quelque chose? J'observe. Ah, du rouge. Ouais, attends, je vais prendre le rouge, mais à mon avis, faut peut-être trouver du violet. On va voir. Ça, c'est du rouge. Qu'est-ce que c'est, le rouge? Herbe de qualité. Bon, c'est du bon, mais bon. Nous, ce qu'on veut... Du rouge. Attention à combat! Non, je vais éviter le combat! Eh ben non, loupé. J'y ai le droit. Alors, robot pirate, toujours les mêmes. Tiens. C'est quoi ça? Ah, robot de soutien, renforcer un allié. Ah, c'est des saloperies ça! Ah, c'est des grosses saloperies! Donc, je pense qu'il faut d'abord détruire les robots. Ah, bah d'accord. En plein dedans! Attends. Attends, je vais d'abord m'en prendre au robot. Ah, en plus, ils sont beaucoup moins puissants, ok. Parce que s'ils renforcent les autres, foncièrement, vaut largement mieux. Allez, suis-le. Ok, c'est nice. Écarte-toi, écarte-toi. Yes, coup critique. Ah zut, t'as quoi ça tourne comme ça, c'est vrai qu'il faut l'esquiver. Toujours tendance à trop bourriner. Un petit rond S. Ah bah c'est le premier de la vidéo, il me semble, en plus. Donc on est dans la zone. Je vois du rouge. Ah, du violet, tiens. Du violet, je pense que c'est ça. Alors peut-être pas, hein, mais... Attends, mais c'est dans l'eau? Exploration sous-marine, jauge d'air. Tu remarqueras que ta jauge d'air s'épuise lorsque tu es sous l'eau. Remonter à la surface réapprovisionnera la jauge. Tu peux trouver des objets et petits poissons sous l'eau. Ils sont difficiles à repérer en surface, mais si tu aperçois un groupe d'oiseaux qui plane au-dessus à un certain endroit, plonge pour découvrir ce qui s'y cache. Si ta jauge d'air est complètement vidée, tu devras remonter à la surface, alors pense à surveiller l'oxygène qu'il te reste. Attends, il y avait bien... Ouais, c'est violet, ça se trouve c'est ça.
Ça ne m'étonnerait absolument pas. Ramasser. Médaille des... Ah non, ça n'a rien à voir. Ok, je pensais que c'était ça. Penses-tu? Bon, moi, on a appris qu'on pouvait plonger. C'est une chose, déjà. Du coup, nous disions, et on cherche un... Ah bah tiens, c'est pas ça? Une orbe violette, peut-être. Eh bah si, Boluscium, voilà. On a un. Ensuite, deuxième zone. C'est par là-bas. Je pense qu'il faut y aller en... Ah bah tiens, pile poil ici. Impeccable. Médaille des... Ah non, c'est pas ce que je pensais encore une fois. Donc ça, c'est un objet important, mais... C'est pas ce qu'on cherche. Ouais, c'est par là-bas, je vois. Là, on rentre dans la zone. Hein. Attends, je vais monter un petit peu, prendre de la hauteur. Yes, j'ai quelque chose ici. Un petit peu de recherche. Bah oui, ça va un petit peu quête FedEx hein, quand même, on va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est? Flotrite, voilà. Super. Des dents de poisson dans la zone, ouais. Mais bon, on va pas s'en occuper, on n'est pas là pour pêcher. Hein. je suis pas venu ici pour me faire une... Hein? On se comprend. Puis il suffit là, on est au régime. Hein. Alors, attends, je vais monter. J'ai pas un bon aperçu du truc. Il manque plus qu'un objet. Ah, ici, j'ai ce qu'il faut. Redescends s'il te plaît. Voilà. Thermophyte, c'est ça. Nickel, j'ai tout ce qu'il faut. Ma chère Bulma, apportez pièce à Bulma. Eh ben on y va. Toujours un petit peu de mal avec les déplacements, hein. Je sais pas si vous le remarquez. J'en chie un petit peu, mais ça va venir. Vous en faites pas. Faut un petit moment pour s'y accommoder. Mais après, je pense que ça vient. À chaque fois, j'en profite pour récupérer quelques orbes. On passe par des villes. La ville que je préfère, honnêtement, perso, c'est pas celle-là. c'est quoi le nom? Déjà, c'est Orange, je crois. Je suis pas un grand connaisseur, je suis pas un fin connaisseur de la série. Mais il me semble que c'est Orange. Hein. Un truc comme ça. Alors. Hop là. T'as redescendre, c'est... toute une opération. Ara, hayakatta wa ne. Kore de yokatta desu ka? Tu as remis matériaux requis à Bulma. Mondai nashi. Arigato ne. Uchuusen, babatto shiagete miseru kara. Hai. Yoroshiku onegaishimasu. Et voilà, on obtient Bulma en plus. Hein. Alors Bulma, on va la caser où? Ah, c'est encore autre chose. Tu as obtenu Bulma, leader de la communauté de création. Ah d'accord, tu as débloqué un nouveau tableau communautaire. Ah, je pense que c'est le dernier, non? Devait plus y en avoir d'autres. Ouais. Dans cette communauté, tu peux activer les compétences de communauté qui aident au développement. Fais progresser cette communauté si tu cherches à améliorer le niveau et les compétences de ton véhicule, ainsi que le coût de création des pièces. D'accord, alors pour l'instant, j'ai personne d'autre. Hein. Très bien, j'ai pas un objet à lui filer? Qu'est-ce qu'on a comme cadeau? Non, c'est juste pour la cuisine. D'ailleurs, tiens, attends, je vais en profiter pour filer ça au cuisinier. Ouais, je vais en filer un à elle. Tablier, non, plutôt celui-là. Non, tablier en soi. Allez. Et tablier romantique, je vais le filer au gros chaton. Allez, mon joli chaton. Tablier romantique, c'est pour toi. Cadeau. Ah, c'est un sacré cadeau, ça. Hein. Allez, c'est bien. C'est d'accord. On peut y aller direct? Tu es prêt? Mais oui, carrément. Ouais, prêt. On continue. Ok. Alors, je vais... Récompense de l'histoire, expérience 21432, on passe donc au niveau 16, niveau sup. Namekusei e tabidatsu junbi mo totonoi. Iyoiyo shuppatsu no tame, ichidou wa kame house ni atsumatta. なんだよ、ごはん。その頭。人類が初めて行く宇宙だから、失礼がないようにってお母さんが。なるほどね。大変だな、お前も。
頼んだぞ。絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カム仙人さん、行ってきます。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地、ナメック星。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃、基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知る。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ。あれは俺のものだ。そしてブルマたちが地球を立ち、34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー、ナメック星到着。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ。反応が、やっぱりあったのよ、ドラゴンボール。本当だ。やったやった。ヒャッホヒャッホヒャッホ。クリリさん、あっちに強い木が。木？本当だ。やたら強そうなすごい木ばかりだ。それにちょっと邪悪な感じの木が。どういうことだ。大丈夫だってば。それにそっちの方向ならほら、レーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない。そっか、そうだよな。なんだ、ナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱり。ゴハン、気配を消せ、悟られるぞ。はい。ベジータだ、あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ゴハン。わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。そんなちょっと、なんでまたあれが来るわけ。いや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。
ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、まもなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。そうだから、ソン君たちに伝えて頼んだわよ。じゃあそれじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐにソン君を連れて戻ってくるから。クリリさん、誰か来ます。え、サイヤ人？違う、ベジータじゃない。もっと弱い気だ。多分ナメック星人だ。この辺りのはずだが。ん、なんだありゃ。え、ナメック星人じゃないわ。ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ。見たかよ、こいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜ。ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずあの宇宙船をやれ。よし。宇宙船だ。運の悪い奴らだぜ。こんな時にこんなところへ来るとはよ。ごはん、木を解放しろ。こいつら大した奴じゃない。やるぞ。はい。 Clairement, ils savent pas qui je suis. Ça va barder. Allez, à nous les amis. Ah oui, c'est vrai, n'oublions pas qu'on a le soutien mort sur le soleil tout de suite. Aveugle-le s'il te plaît. Voilà, comme ça on l'attaque gentiment. J'en profite à fond. Voilà, du lourd. Faut esquive-le s'il te plaît. Attends, je me fais complètement halluciner. Complètement balancé là. Ça fait pas plaisir. Sans déconner, c'est quoi ce délire? Mais calmez-vous, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas où je suis. C'est ouf par contre dans le jeu, c'est que des fois tu te dis mais c'est bien, mais oui, calme-toi. Voilà. Mais j'ai utilisé une attaque spéciale, sinon j'arrive pas à percer sa défense. Un peu énervant. Allez Kamehameha mon cher ami félin. Il est sous l'eau. T'as même pas réussi à le toucher. Demeurez. Putain, j'utilise ma truc pour rien. Oh là, je me fais complètement... Il est chaud quand même, hein. À niveau 17, remarque, ouais, il est pas dégueu, hein. Attends. Oh, mais c'est fini. Attends, Mazenko. Il va se calmer celui-ci, hein. Allez, on va le rejoindre. Fini de rigoler maintenant. Allez, je lui brise sa garde. Et on le termine. Vas-y mon grand Kamehameha. Ah, je pensais qu'il allait le finir, hein. Il est pas très puissant ce Kamehameha. Choqué déçu. Allez, on termine. Voilà. Ça mérite un A, pas plus. Ouais, je suis d'accord avec le jeu. J'ai trop pris de dégâts. Hey, nice, nice. Nice, じゃないわよ。
フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力が一瞬上昇し、偵察の2人を倒した後、再び反応が消えました。それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい、ベジータとは反応が違います。戦闘力は2つとも1500ほどでした。1500ですか。放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそうですね。今度見つけたら消してしまいなさい。ベジータの始末はキュウイさんにでも任せましょう。聞こえてるかベジータ。フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるなキュウイ。貴様にこの俺が殺せると思うのか。貴様の目は節穴か。スカウターをよく見てみろ。俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。Inutile d'attendre son attaque, je vais le trouver et le réduire en miettes. C'est le vaisseau de Freezer. C'est vraiment mon jour de chance. Non seulement je vais pouvoir massacrer Kiwi, mais j'envoie le vaisseau à Freezer à la casse. De Freezer à la casse. Eh ben écoute, on y va. Let's go. Vegeta versus Kiwi. J'aime les fruits. Kiwi no yaro, ore o mikubitte iru yō da na.ちょうどいい目障りだ。片付けてやるぜ。いたな。まさか貴様の方からやってくるとはな。よほどベジータ腕を落としたようだな。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。じゃあいいものを見せてやろう。この俺が地球に行った時、やつらから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをか。戦闘力のコントロールをだ。バカな。19000、20000、21000、22000。どう。故障だとは思うが、ベジータにセットしたスカウターの数値が22000を超えたあたりで。22000だと。お前のスカウターは旧型だからな。俺ので正しい数値を調べてやる。そんなバカな。俺の新型も故障か。24000まで上がっている。我々の戦闘力を上回るというのですか。死ね。おら、マシ。え、キウイ、franchement, on va le réduire en bouillie. Ça risque de pas être très compliqué.Ah zut, par contre je me trompe de direction. Oh, ça fait max dégâts quand même. Est-ce que j'ai réussi à le toucher? Je suis même pas sûr. Attends, excuse-moi ça. Moi je vais utiliser le rayon, le canon Garrick, dis-moi. Oh là là, les dégâts, c'est monstrueux. Attends, esquive s'il te plaît. Putain, je voulais hein, mais... Attends, je vais essayer coup corporel. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça fait des dégâts quand même.Il est où? Il est par là. Je le voyais plus. Tiens. Je l'ai quand même touché, même si c'est décalé. Il me reste plus 3 barres de vie, 2 barres de vie. Je suis toujours dans la même attaque, par contre je me trompe parce que je voulais envoyer le canon. Oh la vache. Ah si, c'est quand même du costaud hein. Non mais c'est normal qu'on bat Kiwi hein. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel à battre Kiwi. Excusez-moi hein.
On se met à recharger, vieux. Tu croyais que t'es pas calculé? Tiens, un petit canon pour toi. Allez! Oh, le finish magnifique! Rang S, mérité, je pense. Kitane Hanabi da. ベジータの24000って数はやっぱり本物だぜ。あっさりとキュイのやつをやりやがった。驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですしね。それにしても無謀でしたね。この私に表立って反逆し始めるとは。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持っているといいですね。5つ目のボール。さあ、行きましょう。Et voilà, on gagne également Vegeta. Tu as obtenu les emblèmes d'âme suivant. Et bien sûr, on va plutôt le mettre dans les guerriers Z, même s'il est pas mauvais en cuisine. Hein. Je pense que c'est pas là où il faut privilégier Vegeta. もうダメよ。もうおしまいだ。もう二度と地球には戻れないのよ。ブルマさん、とりあえずここを離れましょうよ。もっと強いやつがやってくるかも。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか洞窟とか。なんとかなりますって。きっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。Allez, on va trouver un endroit où se cacher. Tu ne peux ni voler ni lancer du Kikoa durant cet événement. D'accord. Alors attends. C'est par là-bas, hein, je pense. On récupère quelques orbes tant qu'on y est. Voilà, c'est par ici. Ah, une grotte. D'accord. クリリンさん、向こうに木を感じませんか？あ、本当だ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あ、隠れろ。あっちから別の怪しい木が近づいてくる。ブルマさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？でも、今のは一体何だったの？ブルマさん、ドラゴンレーダーで確認してください。4つのドラゴンボールが集まってましたよね。持っていたのはあいつらかどうか。そうよ、間違いないわ。今のが4個のドラゴンボールを持っていたんだ。やっぱりそうか。ごはん見たか？はい、ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータよりもっととんでもないかもしれない。ベジータより強いって、そんな。ちくしょう。あんな奴らからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。Et voilà, résultat histoire A et S. Je suis un peu déçu, hein, parce que j'aurais aimé avoir un double S. Bon, c'est comme ça. Récompense de l'histoire, expérience, pain ménage, piercing sophistiqué et boost en bronze.
Niveau supérieur, on passe niveau 17 avec Son Gohan. Bulma から連絡を受けた亀仙人は悟空にブルマたちの緊急事態を伝えた。だが悟空はこんな時のためブリーフ博士へ宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたのだ。この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であればたった6日でナメック星に着くという。新しくできた船図で一気に回復した悟空はすぐにナメック星に向けて出発した。それじゃあオラ行ってくる。早速宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと。6日間でベジータを超えなきゃなんねしな。ねえ、さっきの連中ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわ。そこの位置はさっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって言って。俺そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっと待ってよ。私一人でこんなとこに置いとく気？ここの方がずっと安全だと思うけど。そういえばそうね。わかったわ。この洞窟の中にカプセルで家を作って待ってる。ゴアン、なるべく木を押さえながら急ぐんだ。はい。非道のフリーザ一味、ナメック星人の少年を救え。やっぱりナメック星人さんたちの村があるんでしょうか。多分な。できるだけ急いだ方が良さそうだ。Eh ben dis donc, ça en fait des choses. Tu ne peux ni voler ni lancer de kikuwa durant cet événement. On est arrivé sur Namek, mesdames, messieurs. Namek dans la tourmente, faut réduire son ki, bien sûr, pour pas se faire repérer. On fera ça dès la prochaine fois. Faudra avancer en toute discrétion, bien évidemment, vers l'objectif. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dès demain pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite. Et à très bientôt. Ciao, ciao!